What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de Tekashi 6ix9ine et de Kanye West. Comme d'habitude, je compte sur vous les frérots pour lâcher un maximum de pouces bleus et sans plus tarder, let's go pour les news. 6ix9ine a parlé de son assignation à résidence, je vous laisse avec la vidéo. Écoutez, c'est pour que tout le monde entende. Je sais que vous voyez que je poste pas sur Insta, je fais pas les bails de va-et-vient. Il ne me reste plus de 25 jours d'assignation à domicile. Le moment où je dirai quelque chose, écoutez, vous savez que ma bouche est irrespectueuse. Je suis vraiment irrespectueux quand je parle. Avant que je me fasse arrêter jusqu'à aujourd'hui, ça change pas. Vous savez que je m'en balègue de tout ça. À la fin, j'ai juste arrêté. Tu m'entends? J'ai juste arrêté. Vous voyez que je suis plus trop sur Insta en mode ouf. Je reste tranquille, je poste juste mes petites vidéos. C'est tranquille, relax, stoppez, tu vois. Le moment où j'ai commencé, oh regardez, il fait... On se détend, j'arrête. Parce que ma bouche est tarée. Tarée. C'est pas une news de ouf, mais j'étais obligé de parler de ça. Vous étiez nombreux à me demander sur Instagram. Ouais, Black, qu'est-ce qu'il a dit 6ix9ine? Dès qu'il y a un truc sur 6ix9ine, une vidéo, un live, vous voulez savoir à tout prix ce que j'en pense et que j'en parle. Maintenant, c'est fait. Maintenant, on va passer à Kanye West. Samedi... Kanye West a réannoncé sa campagne pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Je ne comprends pas. Quand il y a eu le Black Lives Matter, les manifestations, Kanye West a dit comme quoi que ouais, qu'il allait plus être en contact avec Donald Trump et qu'il allait s'écarter de la politique. Il a fait ça, c'était un peu pour aider le peuple, les personnes qui sont en prison, pour essayer de faire un peu bouger les choses. Et là, il réannonce sa campagne. Le message a été posté sur Twitter, c'est un message plutôt politique. Il dit « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. » C'était même en tendance avec l'hashtag 2020 vision, parce que Kanye West a l'intention de s'attaquer à Donald Trump et à l'ancien vice-président Joe Biden, lors de l'élection présidentielle de 2020. En fait, je comprends pas Kanye West. Il veut devenir président des États-Unis, mais il n'a déposé aucun document requis pour se présenter à la présidence. Normalement, c'est auprès de la FEC que tu dois déposer les documents. Et écoutez ce que je vais vous dire. Le seul candidat portant le nom de Kanye West semble être une blague. Quelqu'un a appelé Kanye Disnut West a déposé en 2015 comme candidat du Parti Vert en utilisant l'adresse 1977 Goldiger Avenue, Suite Jesus. C'est pas la marque de Kanye? Comment ça se fait, c'est une adresse? Et ce fameux Disnut West a récolté exactement 0$ en dons. Et même si les délais de dépôt des candidatures sont dépassés dans de nombreux états, Kanye West pourra lancer une campagne d'investiture pour la présidence. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news sur 6ix9ine, de la vidéo que je vous ai mis. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que 6ix9ine se calme en ce moment sur les clashs sur Internet. Attention, il n'a pas dit qu'il arrêtait. Il a dit pour l'instant, il se calme en gros, c'est ce qu'il a fait comprendre. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de la deuxième news sur Kanye West qui veut devenir président mais qui n'a déposé aucun document officiel pour la candidature. Aux États-Unis, c'est un autre monde là-bas. Donald Trump, c'est un milliardaire, il est devenu président. Alors qu'il n'était pas trop calé dans le monde de la politique. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous les frérots. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Home, I stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Till I need my dinner, open the hole. Hit my metro, if it's about the pencil, yeah. Like it's go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest. Then the bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael fell with it.